Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre de Fang Green, Les smoothies sportifs, la Bible. Donc, dans cette Bible de smoothies, très intéressant, très bien illustré, avec des recettes pour préparer l'effort sportif, pour la récupération après l'effort, pour un concentré de glucides et pour la musculation. Et sincèrement, c'est un très bon livre avec de très belles illustrations, comme on peut le voir ici. Encore ici, des ingrédients très simples, des explications claires et précises, avec ici l'intérêt de faire ce smoothie par exemple. J'adore ce bouquin et quoi de mieux pour vous le présenter, je vais ici vous faire une petite démonstration d'une recette d'un smoothie. Alors c'est le smoothie, page 48, les cacahuètes. Donc c'est un smoothie pour préparer à l'effort. Donc il faut 250 ml de lait d'amande. Donc je n'ai pas de lait d'amande, moi ce sera de la whey. De toute façon, je fais ce que je veux. Ensuite, il y a 60 g de flocons d'avoine. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Deux dattes dénoyautées. Une pincée de cannelle. Et normalement, il faut une cuillère à café d'extrait de vanille. Je n'ai pas d'extrait de vanille, j'ai de la poudre de vanille. Ça fera bien l'affaire et puis de toute façon, je suis un fou, je fais ce que je veux. C'est ma recette. De toute façon, c'est une bible. Hein. À partir de là, ça donne des exemples. Ensuite, on fait bien ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, on met ce qu'on veut. C'est une base de travail. Ensuite, on fait comme on veut. Donc, c'est parti pour la recette. C'est parti. Donc en gros ça prend 40 secondes. Je vais arrêter au bout de 40 secondes. Au bout de 40 secondes, on va voir la tête que ça fait. Ça me paraît très bien. Donc je vais verser, voilà, et maintenant je goûte. C'est très bon. Peut-être le mettre un petit peu au fraiseur pour que ce soit un peu plus frais, mais sinon c'est très bon. Tu veux goûter? Mais j'ai pas envie. Ça sent bien la cacahuète. Ben c'est parfait, moi j'adore ça. Allez, bon appétit à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est parce que je vais faire un petit montage.